Bonjour, je vais vous présenter l'atelier tir à l'arc du collège Saint-Exupéry. Devant les yeux. Comme si tu tires normalement. Maintenant, nous allons interviewer le professeur. Donc, je m'appelle Jérôme Tarbrouillage. D'accord. Alors, en quoi consiste votre métier ? Donc, mon métier consiste à développer le tir à l'arc sur le département de Gers. Mm-hmm. Et donc, à intervenir auprès de personnes pour de la découverte d'activités, auprès des clubs pour entraîner les archers qu'ils désirent, et pour former des adultes à devenir de futurs entraîneurs ou de futures personnes professionnelles dans le milieu. D'accord. Et pourquoi vous avez été attiré par ce loisir ? Ce loisir, ça a débuté quand j'avais 10 ans. Ma grand-mère m'a mis dans un club de tir à l'arc durant les vacances. Et du coup, je suis resté dans ce sport-là. Parce que ça me convenait assez bien. D'accord. Et quels sont les dangers ? Les dangers liés à l'activité, les dangers sont quasiment nuls, puisque les règles de sécurité sont quand même relativement strictes. Dans la mesure où on ne tire pas des flèches, donc il y a des personnes devant et qu'on attend bien le signal pour aller récupérer les flèches, donc ça pose pas de soucis particuliers. En termes de contraintes, c'est plutôt lié au poste professionnel que j'occupe là directement, c'est que c'est très polyvalent. Donc ça me demande d'être à des endroits différents pour de la même journée par exemple, et de m'adapter aux différents contextes, puisque les structures étant diverses et variées, il faut s'adapter au cadre. D'accord. Et votre parcours professionnel, pouvez-vous me résumer ? Mon parcours professionnel, j'ai un master en écologie et je suis diplômé d'État en tir à l'arc, donc je fais partie de la branche professionnelle de ce sport. D'accord.